وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Le premier qui vont entrer en enfer le jour du jugement dernier, tirés sur leur face en enfer. Qui sont-ils? Les trois œuvres les plus aimées dans l'islam. Un savant, un généreux et un combattant fils sabilillah. Le premier va venir et dire: Ya Allah, j'ai appris, j'ai enseigné la science pour toi. Il va dire: menteur, t'as fait ça pour que les gens disent t'es un lecteur. Et effectivement, ils l'ont dit. Il sera traîné sa face en premier en enfer. Le deuxième: Ya Allah, j'ai dépensé pour ton visage. Menteur, tu as dit pour que les gens soient généreux, que les gens disent que tu es généreux. Tu as fait cela pour que les gens disent que tu es généreux. Et effectivement, ils l'ont dit, en enfer. Le troisième: Ya Allah, j'ai combattu dans ton sentier jusqu'à que je sois mort. Menteur, tu as dit pour que tu as fait cela pour que les gens disent que tu es courageux. Et effectivement, ils l'ont dit, en enfer. Ce hadith-là, qui est le hadith de Shufay al-Asbahi, ce hadith, il a fait pleurer plus d'un compagnon. Abu Huraira radiallahu anhu, quand il citait ce hadith à Shufay al-Asbahi dans la mosquée de Médine, il s'est évanoui trois fois avant de lui citer le hadith. Il a perdu connaissance trois fois avant de lui citer le hadith. Et quand Shufay est reparti à Damas et il a cité ce hadith à Muawiyah ibn Abi Sufyan, il en a pleuré tellement qu'il est tombé par terre. Pour vous dire comment ils avaient des cœurs vivants, il y a certes en cela un rappel pour celui qui a un cœur, ou bien qui porte, c'est-à-dire qui écoute attentivement, et qu'il est présent. Mais aujourd'hui, subhanallah, les cœurs sont morts. On entend, on lit le Coran, on entend les versets du Coran qui parlent du jour du jugement dernier, de la mort, des châtiments. On entend les versets, les hadiths sur les hypocrites. On ne se sent même pas concerné. Alors que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec tout ce qu'ils ont fait, avec le témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils sont au paradis, avec le témoignage d'Allah dans le Coran que c'est des gens du paradis, ils avaient peur. Ils croyaient que l'enfer n'était créé que pour eux. Omar radiallahu anhu disait: si on me disait que tout le monde rentre au paradis sauf un, j'aurais peur que ce soit moi. Mais d'un autre côté, il disait: si on me disait que tout le monde rentre en enfer sauf un, j'espérerais que ce sera moi. C'est-à-dire, il avait l'espoir et la crainte. Abu Bakr, il aurait aimé être quoi? Un poil sur le torse d'un croyant. Omar ibn al-Khattab, il a été voir Hudhayfa ibn al-Yaman. C'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour lui donner certains secrets. Il lui a donné la liste des hypocrites. Il n'y a que lui qui l'avait. Et Hudhayfa, il disait: tout le monde demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et moi je lui demandais sur le mal, pour pas tomber dedans. Il lui demandait sur les... Tu verras tous les hadiths sur le Dajjal, sur la fin des temps, les fitnes, les tentations, les hypocrites, etc. C'est Hudhayfa ibn al-Yaman. Beaucoup. Car c'est sur ça qu'il demandait. Hudhayfa ibn al-Yaman, c'est lui qui avait la liste des hypocrites. Et Omar radiallahu anhu, d'ailleurs, quand il allait prier sur quelqu'un, tous les sahaba, ils allaient prier sur lui, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il n'y allait pas, personne n'y allait. Et Omar radiallahu anhu, il a dit: je te demande par Allah, je te demande par Allah, dis-moi, est-ce que je suis sur cette liste? Omar radiallahu anhu. Celui qui, combien de fois il a dit une chose, Allah l'a certifié dans le Coran. Il a descendu des règles qui sont conformes à ce qu'Omar disait. Et il demande à Hudhayfa: est-ce que je suis sur cette liste? Quand il s'est fait poignarder alors qu'il était en pleine prière, les gens sont venus le voir: ah non, t'annonces la bonne nouvelle, tu vas mourir martyr, tu as fait ça avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort sans être satisfait de toi, tu vas rejoindre tes deux compagnons. C'est qui les deux compagnons? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Ils l'ont pris comme ça, ils l'ont porté. Il a dit: jette ma tête par terre! Jette ma tête par terre! Il a dit: quand ta mère te perd, Ibn al-Khattab, si Allah ne te fait pas miséricorde. Celui qui s'est fait, qui se forge des illusions sur lui-même, c'est celui que vous avez trompé avec vos paroles. Il a dit: Wallah, je donnerai tout ce que je possède pour me sauver des affres de la mort. Nous, on est tranquille, on a peur de rien. On croit que notre place, elle est. Tahta Arsh al-Rahman. Avec les prophètes et les véridiques.
Ça, ça prouve qu'en vérité, notre foi, elle est très faible. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.